j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. On est mercredi, là il est 16h47. Je vais rejoindre Morgane à la gare. Ensuite, on part sur Paris. J'ai un événement sur Paris pour rencontrer Amy LTR. Je sais pas si vous la connaissez. Si j'oublie pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle fait plus des vidéos humour. Donc en gros, elle va nous expliquer un petit peu son parcours, etc. sur YouTube. Bon, ça y est, la soirée est terminée. Je sais pas quelle heure il est. Alors attendez. 21h32, on vient de sortir. Et je peux te montrer ou pas? Oui, tu peux. Oui. Voilà, c'est Morgane. Et donc toute la soirée elle m'a dit mais pourquoi tu vlogues pas? Pourquoi tu filmes pas? J'étais dégoûtée, je voulais vraiment qu'elle vlogue, c'était l'occasion ou jamais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, mais j'ai pas, je sais pas, il y avait trop de monde. C'est ça. Il y a tout le monde derrière. I'm still here. Ah, elle parle anglais. Waiting for my taxi. Ah, yeah. Les jeunes. En plus de ça, Morgane, elle parle avec tout le monde, donc ça c'est trop cool et ça m'a permis en fait d'aller vers les gens. Parce que je vous cache pas que j'étais un peu pas timide, mais j'osais pas en fait. Elle me disait elle mais pourquoi gênée. Ouais, j'étais gênée. Elle me dit pourquoi tu vas pas leur parler et tout. Et je sais pas, j'étais gênée donc. En moi, fait, sans finalement... gêne, je vais, je dis bonjour. Ouais, grave. C'est sûr, je fais salut, ça va. Oh. Petite bise et puis voilà, on se coude et puis. C'était ça. Et moi j'étais là derrière. Et en fait c'est elle qui commence la conversation et moi je la terminais. Donc ouais non c'était cool. On a rencontré Amy LTR. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas, mais je pense que vous la connaissez. On a rencontré aussi Jordan de la chaîne. Vas-y dis parce que Beauty Action. Voilà parce que moi je me suis affichée. Je lui dis ah, salut t'es Beauty Action. Donc un peu la honte. Et bon il m'a dit c'est pas grave je te pardonne. Et non, franchement, c'était cool, bonne ambiance. Donc là, en fait, on attend Ayoub qui va venir nous chercher. On va aller manger et puis bah, je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors là, il est 23h35 et on a tourné à peu près pendant une bonne petite heure, non? Moi. Bon, bref, on a tourné à droite à gauche pour trouver un endroit où manger. Et KFC, c'était fermé. Quick, c'était fermé. Et donc, on s'est rabattu sur McDo. Voilà. La base. Et avant d'entrer, il faudrait peut-être que je prenne ma voiture et après on peut rentrer à la maison. La porte elle est coincée. Ça a gelé. Bye.
j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je suis pas revenue vers vous. Mais je reviens 2 jours après, je crois. Ouais. Désolée. Je reviens 2 jours plus tard parce que... alors, pendant ces 2 jours... Attendez, je vais mettre en silencieux. Pendant ces 2 jours, c'était le boulot et j'ai pas pris ma caméra du tout parce que j'ai pas d'ordinateur. En fait, je dépanne avec la télé et puis c'est un peu galère. Je vous cache pas, c'est très galère. Parce qu'Ayub, il est parti aujourd'hui réparer l'ordinateur. C'est qu'il manque une pièce et personne en fait a cette pièce à mon galet. Donc il va falloir la commander. Donc en attendant, c'est que je vais aller chercher dans la cave, voir s'il y a un écran d'ordinateur que je vais placer ici et je vais essayer de... Bref, de dépanner, comme ça au moins je vais pouvoir monter cette vidéo. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir à la banque. Ensuite, je vais partir à Auchan. J'attends juste que Morgane elle arrive, comme ça on va y aller ensemble. Après, on vient à la maison. On va travailler sur ses prochaines vidéos parce qu'elle va ouvrir sa chaîne. Voilà, ça y est, je l'ai enfin motivée. Elle s'est dit c'est bon. C'est bon, c'est le moment. Là pour le petit programme de la fin de journée. Et puis bah écoutez, c'est parti, on y va. Bon, petit KFC, on va manger. Bon app. Merci. Manger de la sauce. Ouais, grave. Mais tu sais que j'ai jamais goûté cette sauce. Ah ouais, elle est trop bonne. C'est à l'oignon ? Ouais. Ah bah je vais t'en piquer une. Je vais goûter ça. Moi j'ai pris un box Masterfish. Toi t'as pris quoi ? Comment ça s'appelle ? Thunders ? Ouais, les tenders. Ouais. Bon, alors je viens de rentrer. J'ai encore une fois pas filmé du tout de la journée. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être à peu près 20h40. Mon petit cacahuète. Ça va, mon petit doudou. Oui. Je suis partie leur acheter à manger d'ailleurs tout à l'heure à Auchan. Donc j'ai pris ça, c'était en promo. Les deux pour 6,37€ si je vous dis pas de bêtises. Et puis ils aiment beaucoup cette marque. Donc je vais lui passer son petit sachet. Aussi avec Morgane on est parti faire un tour, vous savez, au magasin de moi. Il y avait pas mal de promotions, comme assez souvent là-bas d'ailleurs. Je suis un petit peu enrhumée, un petit peu beaucoup d'ailleurs, et je commence à avoir un mal de crâne. C'est pour ça que je parle du nez. Donc j'ai pris ces bracelets là. Je les trouve super jolis. Ils sont revenus à 2,99€, je crois. En fait je sais plus. Ces bracelets là, voilà. Je vous ai même pas prévenu. En fait là j'allais faire un live sur Instagram et je me suis dit mais attends, je leur avais pas dit sur YouTube. Donc voilà, je vous le dis, le 9 février, si vous êtes intéressé de venir me faire un petit coucou et que vous êtes de Grenoble, et ben je serai sur Grenoble toute une journée lors d'un événement, donc avec l'association Save the Date. Donc ils m'ont invité en fait pour leur première Fashion Week sur Grenoble, je crois. Oui c'est ça, elle m'a dit que c'était vraiment la première qu'ils organisaient. Donc qui dit Fashion Week dit forcément défilé. Donc il y aura un défilé à 10h, un autre à 14h, ouais c'est ça. Et donc moi normalement je vais être là-bas vraiment toute la journée. On m'a proposé de rester un petit peu plus longtemps, mais bah je pourrais pas parce que bon voilà, je pourrais pas, donc je vais rester une journée là-bas. Voilà, si vous êtes du coin, si vous êtes de Grenoble, je vous mets vraiment toutes les informations en barre d'infos si vous voulez bah venir me faire un petit coucou. J'appréhende un petit peu parce qu'on m'a proposé de participer donc à l'événement en prenant le micro, en parlant, en me présentant si j'ai bien compris. Et j'ai dit oui oui, y a pas de problème, y a pas de soucis, oui oui, mais assez insensé, je sais pas faire moi. Parce que parler à ma caméra c'est bien mignon, mais il y a personne autour de moi, c'est à dire que si je bug bah y a personne qui va le voir. On pourrait dire que je parle à un public et je suis à l'aise et tout, mais là c'est pas un public direct, vous voyez. Et puis là il y aura vraiment des personnes, et parler face aux personnes ça va me faire un peu bizarre je crois. Mais bon, ça va être une expérience, je pense que ça va être cool. Après par contre, oui je vous l'ai pas dit, l'entrée elle est à 10€, parce que je vous explique, c'est une association en fait qui va verser tous les fonds de cette journée à un petit garçon qui a le cancer du sang. Donc, voilà, si vous voulez venir passer un petit moment avec moi, parler un peu avec moi, etc, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous mets de toute façon le lien de la billetterie en barre d'infos, parce qu'il y a deux manières en fait, si vous voulez payer, ou soit vous vous inscrivez comme ça vous êtes sûr d'avoir votre place, ou soit si vous voulez venir mais vous n'êtes pas encore sûr, et bah sur place dans tous les cas il y aura une billetterie. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est 10€ l'entrée et tous les fonds partent à l'association. Je me suis renseignée sur l'association et voilà, c'est vraiment une équipe adorable. Donc je pense que je vais passer une bonne journée. Et je vous ai pas dit, mais je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y aura peut-être ma mère avec moi, donc je suis trop contente. Bon, on est le lendemain, désolée pour ma tête, il est 9h40, je viens tout juste de sortir du lit là à l'instant. Voilà, je vais clôturer le vlog. J'ai toujours le même pull qu'hier, hein, soyez pas étonnés, c'est parce que j'ai dormi avec le pull hier après le live. Je suis partie mais en courant dans mon lit, genre je pouvais plus me lever. J'ai fait une montée de fièvre à 38,4 cette nuit. Ça va un petit peu mieux puisqu'à Yubi hier elle m'a fait une potion magique avec
Attendez, il m'a mis quoi? Il m'a mis de l'oignon, ça on l'a bien senti. Du gingembre, de l'ail et ça va un petit peu mieux. Donc moi je vais terminer ce vlog comme ça, je vais essayer de vous le poster pour aujourd'hui 14h, je croise les doigts, si ça marche pas je vous le posterai, demain. Donc oui, parce que Ayubi m'a mis, il y a tous mes mouchoirs, désolé. Hier Ayubi m'a branché un écran d'ordinateur, enfin c'est pas un écran d'ordinateur en fait, je vous dis n'importe quoi, c'est une télé. Donc je vais pouvoir faire le montage tranquillement, plus confortable qu'avoir la tête en l'air. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais pas vous dire que j'espère que ce vlog vous a plu parce qu'il ressemble pas à grand chose. Enfin je sais pas, on va voir ça au montage, je vais essayer d'arranger la kata. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao.